Parce que nous aspirons tous au retour à une vie normale, vaccinons-nous. Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Notre invitée du jour est Alphonsine Layagi Houndi, épouse Mogula. Elle est présente dans le secteur de l'événementiel depuis près de 11 ans, spécialisée dans l'organisation de mariages. Son créneau, le tradichic. La particularité de notre invitée, elle tient un volet social dans son entreprise en accompagnant les couples à budget moyen dans la réalisation de leur mariage de rêve. Donc, mon défi, c'était beaucoup plus d'offrir quelque chose de beau pour les futurs mariés à moindre coût. Voilà, j'étais déjà partie dessus parce que j'ai voulu déjà offrir quelque chose de beau à moindre coût, sachant qu'on ne peut pas aussi faire du bénévolat. Célèbre le 14 juin de chaque année le donneur de sang, une journée qui a pour but de sensibiliser les populations aux enjeux même des dons de sang. Le docteur Olivier Rebieno-Pellegrin, directeur général du Centre national de transfusion sanguine, est l'invité que je reçois pour ce nouveau numéro d'Instant Santé. Nous avons défini un programme de fidélité. Chaque donneur qui a fait 3 dons au cours d'une année bénéficie d'une carte de fidélité. Et cette carte, sur cette carte, il y a des avantages, notamment justement la gratuité d'une poche de sang. Nous y avons pensé. Mais la gratuité de la poche de sang est accordée pour tous ceux qui la demandent.
Madame, messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise sur le plan international. Vous le savez, le Gabon vient d'obtenir une place au sein de l'Organisation des Nations Unies comme membre non permanent. Et d'ailleurs, cette actualité, pour la commenter, nous avons un invité dans ce studio. Il s'agit de Noël Nelson Mason, qui est un ancien ambassadeur du Gabon à l'Organisation des Nations Unies. C'était lors du dernier mandat, d'ailleurs, de ce pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bienvenue à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci, bonjour. Alors, avec vous, on aborde cette question. Lorsque l'on dit aux Gabonais que le Gabon vient d'obtenir une place de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'est-ce que cela signifie ? Écoutez, d'abord, merci à Gabon 24 de cette invitation. Et puis, permettez-moi d'abord de me joindre à tous les compatriotes qui ont salué cet événement. Oui. Et qui ont félicité le président de la République, chef de l'État, oui. Pour cet événement, parce que cela traduit non seulement la diplomatie de responsabilité et la diplomatie d'engagement qu'a toujours défendu le chef de l'État. Ensuite, je voudrais aussi féliciter le ministre des Affaires étrangères, M. Mubele, et toutes les équipes du ministère des Affaires étrangères, oui. Qui ont travaillé, qui ont mené campagne pour que le Gabon puisse obtenir ce mandat. Un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité est une chose très importante pour un pays, pour la diplomatie d'un pays. Il s'agit d'être membre de cet organe, de ce seul organe des Nations Unies, de la communauté internationale, dont les décisions, c'est-à-dire les résolutions qu'elle prend, sont imposables, sont obligatoires pour tous les membres de la communauté internationale, pour tous les États. Donc, une résolution des nations, du Conseil de sécurité s'impose à tous les États. Donc, cet organe est vraiment au cœur, n'est-ce pas, de la diplomatie multilatérale, de là où les décisions sont prises et qui affectent tous les États du monde. Alors, quel est l'enjeu pour le Gabon d'être représenté justement à ce niveau au sein des Nations Unies ? Écoutez, le Conseil de sécurité est, selon la charte des Nations Unies, l'organe qui a en charge, n'est-ce pas, la paix et la sécurité dans le monde. Cet organe-là, évidemment, traite, n'est-ce pas, de toutes les menaces à la paix et à la sécurité dans le monde. Prend des décisions, non seulement pour prévenir les crises, mais aussi pour aider à la gestion, au règlement, au maintien de la paix et parfois même à l'imposition de la paix. Alors, le Gabon, qui est dans une région, vous le savez, en proie à différentes menaces à la paix et à la sécurité, dont certaines touchent déjà le Gabon, se doit, n'est-ce pas, d'être là où les décisions en la matière se prennent. Et c'est d'ailleurs un des enjeux principaux pour le Gabon en devenant membre du Conseil de sécurité. Vous le savez, dans la sous-région de l'Afrique centrale, nous faisons face au terrorisme de groupes comme Boko Haram, nous faisons face à la piraterie maritime dont le Gabon a été victime, nous faisons face au braconnage, à l'exploitation illicite des ressources naturelles, toutes choses qui alimentent, n'est-ce pas, les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité, la circulation des armes légères dans la sous-région. Alors, toutes ces menaces-là, tous ces facteurs-là font en sorte que le Gabon, qui s'inscrit dans une diplomatie d'engagement et de responsabilité, n'est-ce pas, doit être membre non permanent de cet organe, comme il a été à d'autres occasions. Alors, avec ce poste, quel sera le positionnement du Gabon à l'international, selon vous ? Écoutez, on ne peut pas parler d'un poste ou d'une fonction en tant que tel. Il s'agit d'un mandat de membre non permanent. Vous savez, le Conseil de sécurité a 15 membres, 5 membres permanents,
et 10 membres non permanents, donc, dont le Gabon fera partie. Évidemment, un mandat de membre au Conseil de sécurité, n'est-ce pas, fait en sorte que le pays est sollicité par d'autres États, d'autres acteurs qui ont des questions à soumettre à l'examen du Conseil de sécurité. Donc ça place le Gabon dans ce rôle-là. Mais aussi, le Gabon peut être celui, n'est-ce pas, qui portera à l'attention du Conseil de sécurité, qui défendra au Conseil de sécurité les questions qui touchent à la paix et la sécurité en Afrique. Le Gabon, n'est-ce pas, peut aussi être sollicité par certaines grandes puissances, n'est-ce pas, pour qu'il apporte son appui lorsqu'il y a des divergences entre ces grandes puissances. Alors, je prends un exemple. Aujourd'hui, à cause de la Covid-19, il y a des puissances qui estiment qu'on doit lever certains embargos qui sont imposés via des résolutions du Conseil de sécurité pour aider les États visés à mieux faire face à cette crise-là. Mais d'autres États estiment que non, les décisions du Conseil de sécurité, on ne peut pas y toucher comme ça. Donc le Gabon peut, s'il y a un vote au Conseil de sécurité, être sollicité par certains États qui ont ces intérêts-là à cœur. Et ensuite, pour le Gabon, c'est aussi l'occasion de raffermir, de diversifier, de consolider ses relations diplomatiques avec certains États. Mmh. Donc vous voyez là un certain nombre d'éléments qui peuvent, n'est-ce pas, constituer le positionnement du Gabon au cours de ce nouveau mandat. Et surtout, un large champ d'intervention, mais l'on s'interroge tout de même aujourd'hui, qu'est-ce que cela apporte au pays d'Afrique de faire partie de ce Conseil de sécurité quand on sait qu'il y a des crises qui perdurent, à l'exemple de celle en Centrafrique, il y a également celle au Sahel, pour ne citer que celle-là, qu'est-ce que cela apporte aux pays africains de faire partie de ce Conseil de sécurité? Ben, vous savez, la question que vous posez rejoint la multitude de critiques qui sont souvent levées à l'endroit du Conseil de sécurité, son incapacité à régler les crises, son incapacité à trouver des consensus dynamiques, son incapacité à faire en sorte que des crises soient réglées durablement. Mais vous savez, le président, le 31e président des États-Unis, Herbert Hoover, disait que la paix durable ne se fait pas sur la table du Conseil de sécurité ni par les traités. Elle se fait d'abord dans le cœur des hommes, elle se fait dans la volonté des nations à vivre en paix. Alors, le Conseil de sécurité est un outil, n'est-ce pas, qui a été mis en place pour faire en sorte que ce qu'on a connu lors des deux grandes guerres ne se reproduise plus, n'est-ce pas? Alors, pour l'Afrique, quel est l'intérêt réel, malgré les conflits qui persistent? Alors, et comme je le disais tantôt, c'est le seul organe, n'est-ce pas, dont les décisions s'imposent à tous les États. Donc il est l'intérêt pour un pays africain qui peut être membre non permanent d'y être, n'est-ce pas, porter sa voix, porter à l'attention de la communauté internationale les priorités, les défis en matière de paix et de sécurité. Alors, les choses ont beaucoup évolué au cours des années. Nous avons aujourd'hui, au sein du Conseil de sécurité, un groupe ad hoc qui est chargé de la promotion, de la prévention de la paix et la résolution des conflits en Afrique. Donc, ce groupe-là, qui est toujours présidé par un pays africain, donc il faut que les pays africains qui sont membres du Conseil de sécurité puissent, n'est-ce pas, être actifs dans ce groupe-là. Il y a également aujourd'hui
pour les trois membres africains, parce qu'il y en a toujours trois, qui ont créé un mécanisme de caucus qui devient l'interface entre le Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc, toutes choses qui font qu'il est important pour un pays africain, n'est-ce pas, qui le souhaite, qui a l'engagement, qui a ce sens de la responsabilité, n'est-ce pas, de faire partie de ce Conseil, même pour un mandat non permanent. Oui, mais quel bilan aujourd'hui peut-on faire des interventions, par exemple, sur le continent africain en ce qui concerne ce Conseil de sécurité ? Alors, vous savez, si vous prenez, c'est vrai, il faut se le dire, la paix est plus difficile à faire que le déclenchement d'une crise ou d'un conflit. Ça, c'est ce que l'histoire nous enseigne, n'est-ce pas ? Si vous prenez un pays comme la sous-région, comme la République démocratique du Congo, ce qu'est la République démocratique du Congo aujourd'hui, avec une élection qui a permis une transition pacifique de pouvoir, n'était pas imaginable il y a quelques années lorsque la crise a éclaté au Congo. La sécurité qui s'est progressivement installée dans le pays aujourd'hui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas une action persistante, durable du Conseil de sécurité à travers plusieurs résolutions qui ont demandé souvent le renforcement de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. On n'aurait pas atteint ces résultats-là. C'est aussi le cas dans d'autres régions, n'est-ce pas ? Donc, dire que le Conseil de sécurité ne produit pas de résultats, c'est vrai, c'est un peu trop aller vite en besogne. D'évoquer une sorte de bilan tout de même, parce que c'est bien qu'il y ait ce Conseil de sécurité au sein des Nations Unies, mais regardons le taux d'intervention, par exemple, sur le continent africain, de la paix dans certaines régions. Cela laisse ouvre beaucoup d'autres interrogations. Mais là, je viens de vous donner l'exemple d'une situation, n'est-ce pas ? Qui, on le voit dans les faits, n'est-ce pas, s'est améliorée au fil du temps par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. Je peux prendre aussi l'exemple d'un pays où le Gabon est très impliqué, parce que nous y avons des troupes, c'est la Centrafrique. Ouais. La Centrafrique, c'est vrai, il y a encore une situation difficile, mais... quand on compare avec le début de la crise en Centrafrique et ce qui en est arrivé aujourd'hui, le fait que là aussi on ait eu des élections qui ont permis des passations de pouvoir plus ou moins pacifiques, on se dit, sans le Conseil de sécurité, on ne serait pas arrivé à ces résultats-là. Mais je le dis encore, la paix est beaucoup plus difficile à faire que déclencher une crise ou un conflit. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut obtenir durant un mandat ? Là, je parle beaucoup plus des temps forts du mandat d'un pays au sein de cette commission en tant que membre non permanent. Ça veut dire pour ce mandat du Gabon au sein de cette commission, qu'est-ce que le Gabon pourrait obtenir ? Écoutez... un mandat au Conseil de sécurité se déroule sur 2 années. D'accord. Au cours de ces 2 années, l'État membre, pour notre cas, l'État membre non permanent, a l'occasion de présider le Conseil de sécurité. Et ça, c'est un temps fort, parce que c'est à ce moment-là que vous orientez l'agenda du Conseil de sécurité, que vous mettez sur la table du Conseil de sécurité ce que vous, en tant qu'État membre, en tant que représentant d'un continent, l'Afrique, considérez comme priorité à traiter pour le Conseil de sécurité. C'est là aussi où, sur certaines questions très spécifiques, vous pouvez orienter aussi les décisions du Conseil de sécurité. Quand je prends le cas des missions de paix en Afrique,
Il y a souvent la question de l'augmentation des ressources, n'est-ce pas, ou le renforcement des mandats de ces missions-là. Là, en ce mois de présidence-là, vous pouvez vous faire l'avocat, vous pouvez être le principal défenseur, n'est-ce pas, de ces augmentations de ressources ou de ces renforcements de mandats. Donc c'est un mois qui est très crucial pour le membre non permanent, ou même pour tout autre membre, hein, pour orienter l'agenda du Conseil de sécurité. L'autre temps fort que nous avons vécu à l'époque, c'est lorsque le président de la République, chef de l'État, vient au Conseil de sécurité pour présider une réunion de haut niveau sur une question que nous jugeons essentielle, que nous jugeons importante. Le président de la République vient en personne pour présider une réunion, défendre une résolution qui a été négociée par le Gabon et la faire adopter avec une large majorité. C'était le cas de la résolution 1893 qui portait sur le VIH-Sida dans les situations de conflit en Afrique notamment. C'est un temps fort. Et puis l'autre temps fort, c'est lorsque un État est amené, par exemple, à conduire une mission en Afrique, n'est-ce pas, pour rencontrer l'Union africaine et les dirigeants africains, et là aussi pour l'écoute sur les priorités, sur les problèmes et comment renforcer l'action du Conseil de sécurité dans ce, sur ce continent. Donc c'est un peu cela, les temps forts, il peut y en avoir d'autres. Hein. Mais tout cela dépend aussi de, des équipes que vous avez autour de vous. Nous, on a eu la chance d'avoir une équipe remarquable avec des diplomates. Je pense à l'ambassadeur Alfred Mongara, l'ambassadeur Marianne Bibalou ou l'ambassadeur Franklin Makanga, pour ne citer que cela, qui était à mes côtés lors de ce mois de présidence, où nous avons aussi reçu le chef de l'État pour présider une réunion de haut niveau. Là, c'était des temps forts, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que l'on dit au Gabonais? Que retenir justement pour ce mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Ben, écoutez, dire au Gabonais que le Gabon va à nouveau se retrouver au sein du principal organe des Nations Unies, dont les décisions, je le répète encore, s'imposent à tous les États, n'est-ce pas? L'occasion pour le Gabon de défendre les orientations sur la paix et la sécurité en Afrique, en particulier sur des menaces qui commencent à toucher le Gabon. Donc ça, c'est très important. Mais aussi manifester l'engagement et le sens de la responsabilité du Gabon face à des situations, face à des menaces qui touchent l'ensemble de l'Afrique, la région de l'Afrique centrale et le Gabon, qui fait partie de cette région de l'Afrique centrale. Mais c'est aussi l'occasion, n'est-ce pas, pour le Gabon, de raffermir des relations diplomatiques importantes avec certains États, avec certains pays. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Noël Nelson Mason, ancien ambassadeur du Gabon à l'Organisation des Nations Unies, lors du dernier mandat du Gabon d'ailleurs, au Conseil de sécurité. Je préfère également rappeler vos autres fonctions. Député, vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale gabonaise. Merci d'avoir accepté cette invitation une fois de plus, en espérant vous retrouver très prochainement pour commenter l'actualité diplomatique gabonaise. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'être resté des nôtres sur Gabon 24. L'actualité continue. Au revoir. Dernière mesure gouvernementale, ainsi se présente le dispositif s'adressant aux passagers internationaux. Une
réservation d'hôtel obligatoire avant le vol pour le Gabon doit être faite sur la plateforme dédiée. Un test de dépistage à l'arrivée est effectué sur chaque passager. Le passager est ensuite transféré vers son hôtel pour une mise en quarantaine de 24 heures en attendant les résultats. Si le test est négatif, le passager sort aussitôt de sa mise en quarantaine. Si le test est positif, le passager est aussitôt soumis au protocole COPIL. Sont concernés par ce processus les passagers internationaux, gabonais et non gabonais. Pour le bien de tous, continuons de respecter les mesures barrières. Ceci est un message du gouvernement. Célèbre le 14 juin de chaque année le donneur de sang, une journée qui a pour but de sensibiliser les populations aux enjeux mêmes des dons de sang. Le docteur Olivier Rebieno-Pellegrin, directeur général du Centre national de transfusion sanguine, est l'invité que je reçois pour ce nouveau numéro d'Instant Santé. Nous avons défini un programme de fidélité. Chaque donneur qui a fait 3 dons au cours d'une année bénéficie d'une carte de fidélité. Et cette carte sur cette carte, il y a des avantages, notamment justement la gratuité d'une poche de sang. Nous y avons pensé. Mais la gratuité de la poche de sang est accordée pour tous ceux qui la demandent. Le 14 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du don du sang. Et cette année, le thème retenu, c'est « Donner votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Le sang, c'est la vie, et donner son sang, c'est donner la vie. Alors, par rapport au don du sang, notre objectif est aujourd'hui d'inverser la tendance. Nous avons sensiblement 60 à 70% de dons de compensation, c'est-à-dire que lorsqu'une personne va au Centre national de transfusion sanguine pour demander les poches de sang, on lui demande d'apporter des donneurs. Or, selon les normes de l'OMS, la tendance doit être inversée pour que le don du sang se fasse par des volontaires et par des bénévoles. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre les 100% conformément aux orientations de l'OMS. De 2018 à 2020, nous sommes passés de 30% de dons bénévoles à 60% de dons bénévoles. Et dans les toutes prochaines années, notre objectif, c'est d'atteindre ces 100% pour que toute personne qui arrive au niveau du Centre national de transfusion sanguine ne vienne plus avec un donneur familial et que ce soit des donneurs bénévoles qui aujourd'hui approvisionnent de manière permanente et régulière le Centre national de transfusion sanguine. C'est ça le prochain objectif pour la transfusion sanguine. À l'occasion de cette journée mondiale de don du sang, nous voudrons remercier et féliciter toutes ces personnes qui sont des bénévoles, qui donnent leur sang. Et plus particulièrement les jeunes, dont la tranche d'âge varie de 18 à 35 ans et qui représentent aujourd'hui 90% des donateurs de sang. Nous les encourageons à pouvoir mener cette activité bénévole et humanitaire parce qu'elle permet de sauver des vies. Et c'est pourquoi nous vous encourageons en disant que les jeunes, c'est la jeunesse, les jeunes, c'est la vie, les jeunes, c'est aussi ceux-là qui sauvent la vie.
Parce que nous aspirons tous au retour à une vie normale, vaccinons-nous. En 2020, à l'instar des autres pays du monde entier, le Gabon a été touché par la pandémie à coronavirus, bouleversant ainsi nos habitudes avec notamment 138 décès et 22 568 cas positifs dans notre pays. Les écoles, les lycées, les grandes écoles et les universités ont été fermées pendant près de 8 mois, perturbant ainsi le cours normal des activités pédagogiques. La récente découverte des vaccins renforce efficacement le dispositif de lutte contre cette pandémie. Ainsi, pour retrouver le cours normal de la vie en société, respectons donc les mesures barrières et vaccinons-nous contre la COVID-19. Chers étudiants, chers membres d'administration, chers enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs, la COVID-19 est une affaire de tous. Respectons les mesures barrières. Lorsque un des nôtres est testé positif, informons-le de droit afin de sauver des vies. Faisons-nous vacciner afin que nous retrouvions notre vie normale. En tant qu'enseignant, je suis garant de la sécurité sanitaire de mes étudiants. Aussi, avant de rentrer dans ma salle de classe, je me désinfecte les mains et m'assure que mon masque est correctement ajusté. Car me protéger, c'est également protéger les autres. Respectons les mesures barrières et vaccinons-nous pour lutter contre la COVID-19.
Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour ce plateau spécial qui traite de la question de la corruption dans le secteur bois au Gabon. Qui pour répondre? Oui, c'est la bonne question, car vous le savez, la forêt est vitale pour l'homme et joue un rôle indispensable à l'équilibre de la planète. Considérée comme une fierté dans la sous-région et second potentiel forestier d'Afrique, la forêt gabonaise couvre 237 000 km² et sa valeur marchande est estimée aujourd'hui à 3 millions de mètres cubes par an, soit près de 600 milliards de francs CFA. Les chiffres, il faut les retenir, Madame, Monsieur, pour la suite de l'émission. Mais derrière ce beau tableau se cache une industrie de corruption en plein essor, entretenue par les entreprises forestières, d'une part, par des hauts cadres et agents publics, oui, d'autre part, et même des hommes politiques, car il y en a quelques-uns qui sont dans ce secteur-là. Qui pour répondre, car le manque à gagner pour le Gabon et sa population est énorme, un tiers du bois coupé est illicite et impropre à la vente, nous diront les personnes sur le plateau. Allons comprendre donc au cours de cette émission comment la corruption a gagné du terrain au Gabon, comment en tant que détenteur de l'autorité de l'État, l'on foule au pied les règles de bienséance, c'est même la loi qui est responsable de cette corruption et comment venir à bout de tout cela. Le plateau spécial autour de la corruption dans le secteur bois reçoit le directeur général de l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois, M. David Ingeza. Merci d'être avec nous. Merci, madame. À côté de vous, il y a, en face de vous, il y aura M. Marcona Essangui, secrétaire exécutif de Brent Forest. Merci d'être avec nous. Merci, madame. Et l'autre dame sur le plateau pour l'équilibre, oui, nous sommes dans l'année de l'équilibre. Edwige ayant FA, elle est consultante nationale FSC Gabon. Merci. Messieurs, merci. Le décor étant planté, je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous traitons d'une question essentielle à la vie de la population, à la vie de la société gabonaise dans son ensemble. Avant que d'entrer dans le vif du sujet, donc ce qui nous intéresse, qui corrompt qui, pourquoi, comment, Monsieur Ingeza, pouvez-vous nous dresser le tableau de la filière bois actuellement? Dans le cadre de cette émission, vous me demandez de dresser le tableau de la filière bois. Je veux vous dire que la corruption qu'on peut mettre en évidence à travers la pratique de l'illégalité forestière est un mot qui freine beaucoup l'évolution de notre économie forestière. Elle a des facteurs qu'on va débattre certainement, mais en tant que responsable de l'administration, en tant qu'acteur dans cette lutte à laquelle je suis engagé sous les instructions des plus hautes autorités, et notamment du ministre en charge des forêts, nous avons mis en place un dispositif pour lutter contre cette illégalité forestière, et j'aurai l'occasion de vous en parler. Vous avez dit dans vos propos liminaires que quand même un tiers, et je confirme, de cette production nationale sortie de l'illégalité forestière, mais l'administration lutte. Elle lutte pour l'économie et pour le développement du secteur, et nous sommes accompagnés par plusieurs acteurs étatiques comme privés et des ONG, il y en a sur le plateau, et donc je reste optimiste sur l'atteinte de l'objectif de la tolérance zéro qui est prôné par les autorités contre cette illégalité forestière et cette corruption. On est dans le futur, Monsieur Ingeza. Je parle du présent. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le secteur bois au Gabon? Comment on en arrive à ce niveau d'irresponsabilité de la part des agents publics qui sont censés assurer la sécurité des forêts? Comment? Quel est véritable? Vous ne nous dites pas. Vous êtes dans des définitions. Oui, l'État lutte, d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'y passe dans ces forêts-là? Concrètement, et je m'y attendais lorsque j'ai été invité à cette émission, à votre insistance sur le fait... On aime toucher les choses. Voilà, bon. Parce que pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait argument. Il faut que le fait soit clairement présenté. Quel est le fait aujourd'hui? Comment se passe, comment se porte le secteur bois au Gabon? On parle de corruption, oui, c'est joli. Mais corruption, c'est où? Ça commence quand? Ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe réellement dans le secteur? Présentez-nous ce secteur-là. Le secteur forestier a plusieurs types d'acteurs. Allez-y. D'accord? Nous avons les opérateurs économiques qui exploitent nos forêts. Nous avons les administrations locales qui accompagnent ces
ces opérateurs. Nous avons les communautés villageoises qui contribuent à l'exploitation. Et nous avons l'administration qui gère, d'accord ? Et nous avons les politiques qui nous accompagnent à travers les orientations qu'ils donnent. Tous ces acteurs sont impliqués dans l'illégalité forestière. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Voilà. C'est déjà bien. Je sais que c'est ce que vous voulez entendre. Non, ce n'est pas ce qu'on veut entendre. On veut connaître la réalité, M. Pour avoir été un acteur dans ce secteur, je dis que tous les acteurs sont impliqués et responsables. D'accord. Quel doit être leur rôle ? Ils sont responsables, c'est un fait. Quel doit être le rôle de ces différents, différents pans de la gestion du bois au Gabon ? Quel est leur rôle ? Nous, en tant qu'administration, nous avons la responsabilité de mettre en œuvre les politiques qui sont données au niveau forestier. D'accord. Les eaux et forêts gèrent l'exploitation forestière. D'accord. Et pour qu'elles gèrent cette exploitation, il y a des règles à respecter. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous avons une bonne loi forestière qui a comme vision de amener l'exploitation durablement et que les gens soient responsables dans cette exploitation. Nous veillons à ce que les lois soient respectées et lorsqu'elles ne sont pas respectées, ben, nous devons sévir et remettre tout le monde sur le droit chemin. Mmh. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mmh. Et donc, lorsque vous me posez la question de savoir qui est responsable de la... Le rôle de chacun, vous y avez répondu un peu. Voilà. On va passer la parole aux autres. Monsieur Onaï Sangui est sur le plateau. Quelle est la lecture que vous faites d'entrée de jeu de ce qui se passe réellement dans le secteur bois ? Vous avez participé à plusieurs enquêtes. Vous êtes sur le terrain de la sensibilisation, mais au-delà, sur le terrain justement de la dénonciation de toutes ces mauvaises pratiques qui entourent la filière bois au Gabon. Quelle est la lecture que vous pouvez faire aujourd'hui ? Merci, madame, pour cette opportunité. Je viens d'écouter... Monsieur Nguenza a effectivement décliné les responsabilités à tous les niveaux. Moi, je dirais tout simplement que c'est l'État qui a perdu, qui a passé la main à l'illégalité. C'est-à-dire que dans ses missions régaliennes, quand je dis l'État, hein, c'est le gouvernement, ce sont les différents démembrements de cette administration qui ne font plus leur travail. Je vous prends un exemple simple. Monsieur Nguenza, tout à l'heure, vous a parlé de la loi. Effectivement, nous avons l'une des plus belles lois nationales. Et je dis souvent à ma collègue ayant FA que le Gabon, par rapport à cette loi, n'a même pas besoin de faire appel à une ONG comme le FSC pour aider à résoudre le problème de l'illégalité. La loi forestière, elle est claire. Les plans d'aménagement forestier et tout ce qui est mentionné dans cette loi pour non seulement le respect de cette légalité, mais aussi pour honorer des engagements plus auprès des populations. Mais l'administration, le plus souvent, il n'y a pas de moyens, parce que quand un opérateur économique a besoin d'une inspection, ou bien quand l'administration veut opérer une inspection dans un permis, mais c'est l'opérateur qui apporte des moyens, moyens logistiques, moyens financiers. Mais dans ces conditions, quand le rapport est produit... Objectif. Quand le rapport est produit, ben, ce rapport peut être revu par l'opérateur parce que c'est lui qui a payé. Le problème n'est pas au niveau des agents. Le problème se situe au niveau des moyens qui sont mis à la disposition de ces agents, quel que soit le niveau de responsabilité. D'accord. À l'intérieur du pays, même au niveau central. Nous avons l'habitude d'effectuer des missions de terrain pour aller vérifier, par exemple, le cubage dans le cadre du partage des bénéfices, aller vérifier les cubages dans certaines directions des eaux et forêts. Mais je peux vous dire que la seule difficulté que nous avons, c'est le partage de l'information, l'information qui est publique. Une information publique est censée être à la disposition de ceux des citoyens qui en ont besoin. Mais quand vous allez dans ces différents... Même ici, au niveau de l'administration centrale, pour avoir une information officielle, c'est très difficile. C'est le parcours du combattant. Pourquoi cacher une information publique si les choses sont extrêmement claires? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est... Vous savez, le Gabon a une tradition d'exploitation forestière. Nous avons connu des premiers exploitants qui étaient majoritairement d'origine européenne. Et en Europe, vous avez des contraintes. Par exemple, dans le cadre de l'Union européenne, vous avez des engagements que les opérateurs issus de ces pays prennent
en termes de RSE, en termes même de respect de... et qui les poursuivent partout dans le monde où ces entreprises s'installent. Mais vous avez une autre catégorie d'opérateurs qui viennent d'ailleurs, d'Asie et autres, mais qui aujourd'hui occupent plus de 70% des permis forestiers, mais qui ne sont pas poursuivis. Qui ne sont pas poursuivis vous allez sur le terrain par les différentes règles. Donc, quand on arrive sur un terrain où les règles transparentes ne sont même plus acceptées, ben, ces nouveaux opérateurs, ils font la loi. Ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Et ça va c'est le constat que nous avons fait sur le ça terrain. Ça va peut-être pas s'arrêter aujourd'hui, mais on va essayer d'esquisser ensemble des pistes de solutions. Le temps pour moi de donner la parole à Madame Effa qui est avec nous sur le plateau de Gabon 24 pour comprendre la nécessité pour un pays comme le Gabon d'être certifié FSC. On parle de bois. Le Gabon, il est recouvert de bois, de forêt. D'accord. Aujourd'hui, nous avons cet état des lieux qui vient d'être fait. On fait un peu ce qu'on veut dans ce secteur. Chacun vient, il fait ce qu'il veut. Il a une exploitation qui est délimitée ici, mais il peut déborder de temps en temps, couper des arbres qui doivent être coupés dans 30 ans. Chacun fait un peu ce qu'il veut, avec la complicité de l'administration. Que pouvez-vous nous dire de cette norme, l'utilité pour le Gabon de l'avoir ? Alors déjà, merci de m'avoir convié sur ce plateau. Je vais déjà faire un petit rappel historique en disant que, et entrer dans ce que Marc a dit tout à l'heure, on a en réalité des entreprises qui sont certifiées bien avant la déclaration de Mevan en 2018. D'accord. Et ce sont des entreprises européennes qui sont poursuivies, comme le disait Marc, par les règles édictées en Europe sur la bonne gestion forestière. On a trois grandes entreprises qui sont européennes, qui sont basées au Gabon, qui sont certifiées depuis 2008. Deux, 2008, et la troisième depuis 2010. Donc, ils sont dans ce processus depuis bien longtemps. Donc, quand on fait la déclaration de Mevan et qu'il faut aller à la certification forestière, je peux dire qu'ils sont confortables parce qu'ils y sont déjà. D'accord. Ils sont déjà certifiés. On a des entreprises qui ont une certification de légalité. C'est-à-dire qu'ils justifient qu'ils respectent la loi et donc qu'ils gèrent en suivant le code forestier gabonais, en suivant les autres lois. Pourquoi certifier ? C'est peut-être aussi le moyen pour l'État, c'est vrai que c'est un bonus pour le FSC, de se dire, on n'arrive peut-être pas à gérer, mais avec la certification, on peut gérer. Comment ? Parce que l'outil qu'est la norme, FSC ou qu'une norme de certification vous astreint à respecter certaines règles. Dans la norme nationale FSC, nous avons 10 principes. Lesquels ? Et le premier principe, le fondamental, le principe 1, c'est le respect de la loi. La loi du pays dans lequel vous exploitez donc votre bois. Donc le respect du code forestier. Le respect du code forestier. On est bien. Le respect du code de l'environnement, le respect du code social, le respect du code des impôts, tout ce qui est loi, qui est, comment dire ça, qui est affilié à la gestion forestière, doit être respecté. Je vous prends un exemple, si je prends le principe 2 qui est le droit des travailleurs, l'entreprise qui va à la certification doit payer les droits CNSS. C'est obligatoire. Quand un auditeur arrive, il regarde. Mais il ne s'arrête pas à l'entreprise. Il vient auprès de l'administration demander comment l'entreprise se comporte et va à la CNSS vérifier que l'entreprise paye effectivement ses cotisations. Les cotisations de ses agents. Vous pouvez regarder les entreprises certifiées. Elles font des efforts. Ils ne sont pas parfaits. On ne va pas dire que c'est le meilleur du monde. Sinon, l'être humain n'est pas meilleur. Sinon, ils n'auraient pas des actions correctives qu'on leur demanderait. Mais cette redevance qu'on paye aux communautés, les 800 francs de mètre cube qu'on reverse aux communautés, les entreprises forestières reversent dans un fonds de développement local pour que les populations autour de la zone puissent mettre en place des activités. Ça, c'est ce que dit les 10 règles du FSC. C'est ce qui est dit dans les 10 règles. Dans les 10 règles. C'est ce qu'appliquent les entreprises certifiées. D'accord, que vous allez visiter. Nous, le FSC, en tant que ONG, en tant que responsable, à l'intérieur du FSC au-dessus, qui s'appelle ASSI,
Assurance internationale, qui, elle, audite les cabinets qui viennent auditer. Donc voilà, il y a le gendarme. Il faut ce gendarme-là. Tout à fait. Et donc tout ça, tout ce que vous avez dans la norme, ce sont les membres qui sont, comment dire ça, les porteurs. D'accord. C'est eux qui ont la dernière décision. Oui. Et au niveau du Gabon aujourd'hui, nous en avons 30. D'accord. Nous allons revenir sur ces membres-là. Je vous voyais réagir lorsque monsieur... Je voulais réagir. Voilà, je voulais réagir. L'opportunité vous est offerte de nous dire ce qui se passe réellement. Qui a le permis de couper le bois dans la forêt gabonaise et qui respecte la loi? Madame, vous savez, dans tous les domaines, de l'exploitation de l'économie, nous avons des règles et nous avons des brebis galeuses. Ça, c'est indéniable. Mais lorsque j'écoute M. Marc dire que l'administration ne joue pas son rôle parce qu'il prend un exemple, elle est accompagnée par les forestiers, je dirais non, parce que l'administration existe quand même depuis longtemps. Il faut dire que ce qui se passe en réalité, c'est que l'exploitation, la lutte contre l'illégalité forestière, elle est indéniable. Elle est nécessaire pour que nous puissions optimiser les recettes fiscales liées à la coupe du bois qui est faite. D'accord ? Par contre, savoir que l'administration seule est à l'origine de ce mal-là, je dirais non. Parce que, vous voyez, nous avons la mission régalienne de gérer et de faire respecter les normes en matière d'exploitation forestière. D'accord. Les acteurs qui le font parce qu'il y a une faiblesse. Une faiblesse qui est, à quel niveau ? Qui est liée peut-être aux moyens opérationnels que l'administration décentralisée n'a pas, mais ça n'enlève en rien à notre administration de prendre ses responsabilités, aux collègues en province, de se battre pour lutter contre cette exploitation. Et c'est ce qui se fait. David Ingueza, oui. Je vous arrête là. Vous avez enfoncé une porte ouverte et des brebis galeuses partout. C'est pas nouveau. Oui. Nous sommes sous l'équateur. On sait comment ça se passe. Monsieur Ingueza, vous ne répondez pas à ma question. Lorsque je demande... Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Vous dites, monsieur Onaï Sangui dit qu'elle est orchestrée. Oui, comment voulez-vous arriver dans un village, profiter des biens de ce village sans que les habitants du village ne puissent pas vous accompagner dans ce processus? Ça veut dire que l'administration, peut-être pas dans son ensemble, mais il y a certains membres de l'administration qui sont responsables. À ce niveau de l'émission, est-ce qu'on situe déjà les responsabilités justement de ces porteurs de l'autorité de l'État qui ne jouent pas véritablement leur rôle? On a parlé de moyens, mais encore, de moyens pour aller vers ces opérateurs. Au Gabon, on donne un permis, on donne une concession et puis on dit chacun fait ce qu'il veut. Non, la preuve, non. Il y a des débordements. Qu'est-ce qui se passe? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Au Gabon, on octroie des permis aux opérateurs dans les règles édictées par notre code. Que dit le code? Mais le code dit que lorsque vous voulez obtenir une concession forestière, il y a le mode d'attribution qui est l'adjudication. D'accord. Cette adjudication, elle est faite, vous concevez un dossier, vous attendez la commission qui va... Une fois vous obtenez le permis, vous avez à élaborer un cahier des charges qu'on appelle un plan d'aménagement. Dans ce cahier des charges qu'on vous donne, il y a des règles établies qui vous disent d'exploiter de telle façon, de couper, d'informer l'administration, et cette administration vient vérifier de temps en temps, et si jamais vous êtes hors des normes édictées par ce cahier des charges, vous êtes sensibilisé, et si vous êtes récidiviste, vous êtes sanctionné. Un tiers de l'exploitation gabonaise est illégale. Oui. Comment on en arrive à ce résultat? On est arrivé à ce résultat par la forte volonté politique des plus hautes autorités, qui nous ont lancés sur le terrain pour aller un peu nous enquérir des réalités, des déclarations de production faites par nos partenaires qui sont les opérateurs économiques. En allant vérifier sur le terrain comment ils coupent,
parce qu'on avait une réalité. Lorsqu'on donne un permis à un forestier, il nous dit en avance, voilà, je vais couper 5 arbres durant l'année 1. Mais il en coupe 20. Attendez. Oui. Alors, lorsqu'il nous dit ça, nous sommes dans la déclaration. Et lorsqu'il va couper, s'il déborde, effectivement, si on n'a pas suffisamment de lucidité ou de moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que les opérateurs sont très malins, ils trichent par différentes formes. Ils peuvent aller... Et vous en êtes conscient. Mais on a pris conscience. Ah. Parce que vous savez que le voleur ne vient pas vous dire « je viens voler chez toi ». Le voleur, quand il vient, il ne t'avertit pas. Si vous faites confiance à un partenaire forestier, effectivement, il y a l'administration à côté, il y a les ONG à côté que lui, il représente. Si vous constatez, vous informez l'administration, c'est à elle de prendre la situation à bras-le-corps. Et cette situation, la prise à bras-le-corps de cette situation, je vous le dis, effectivement, il faut une forte volonté politique. Et depuis une dizaine d'années, nous essayons de nous battre pour que ce que décrit en partie M. Marcona ne se répète plus. Et je mais ce n'est pas M. Marcona qui... Non, mais qui... il l'a dit. Mais moi, je vous dis, je vais encore plus loin. Vous vous dites, dites-nous si vous reconnaissez que l'administration, elle est... Non, elle joue un rôle, forcément, dans cette affaire de corruption, dans le secteur bois. Oui, elle ne joue pas. Est-ce que c'est... Parce que vous avez pris le cas d'un voleur. Oui. Coco, bonjour. Oui. Je suis Laetitia Galibica, je viens voler du bois. Ça se passe comme ça. Quelqu'un vient chez vous, vous lui laissez les clés de votre maison et puis vous sortez. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous avez signé un contrat. Mais... Vous devez vous rendre sur le terrain, dire à la volonté politique que vous prenez ici aujourd'hui que monsieur, pour que nous suivions de près ce que fait ce monsieur, nous avons besoin de moyens. Est-ce que c'est un problème de manque de moyens qui pousse les opérateurs à faire ce qu'ils veulent? Non. Ou quel est le problème, monsieur Nguessa? Madame Laetitia, j'insiste pour vous dire que s'il y en a qui dévient... Il y en a d'autres qui respectent. Voilà. C'est ça que je vous dis. D'accord. S'il y en a qui dévient, il y en a qui respectent. Je n'ai pas fini. Allez-y. Et je dis encore que lorsque l'administration est organisée et lorsqu'elle a le minimum de moyens, elle lutte. Elle lutte et c'est ce qui se passe. D'accord. Nous avons quand même des moyens, même si elles ne sont pas... Ils ne sont pas consistants. Elles sont pas, pour lutter. Et c'est ce qui se passe. Vous allez décrire les moyens. Quand vous regardez l'actualité, vous voyez bien qu'il y a des opérateurs, il y a des citoyens qui sont sanctionnés, etc. Nous allons essayer d'évoluer dans la discussion parce qu'il ne nous reste que quelques minutes avant la première partie. Monsieur Onaï Sangui, le Gabon est très engagé dans la protection de l'environnement. Comment expliquer autant de manquements et de dérives dans le secteur bois? Comment? Au-delà de ce qui a déjà été dit, oui, on sait qu'il y a une corruption, peut-être pas active, mais passive, parfois active, du personnel détenteur de l'autorité de l'État dans ces zones-là. Mais comment on fait? Comment on fait justement pour pallier ces manques-là? Comment on fait? Le Gabon qui a tellement signé de conventions aujourd'hui, nous avons toujours les mêmes dérives. Comment on fait? Alors, je voudrais tout simplement dire que dans aucun pays du monde, l'administration à elle seule n'a résolu ce type de problème. Et ce que nous rencontrons dans notre pays, c'est-à-dire que l'administration ne veut pas reconnaître ses faiblesses. Non, madame Laetitia. Je ne vous ai pas... Attendez, vous allez réagir. Je ne peux pas laisser dire que l'administration ne veut pas reconnaître. D'accord. Parce que je représente l'administration. Oui, mais okay. Mais permettez au moins qu'il aille au bout de sa logique. Et vous pourrez réagir. C'est-à-dire, il y a des pans... Rapidement. Il y a des pans dans ce domaine que l'administration devrait céder. C'est-à-dire aux communautés locales. Par exemple. Par exemple, vous avez pris, Madame Ayan a pris l'exemple du partage des bénéfices dans le cadre des cahiers de charges contractuels. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans le cadre de l'article 251, je crois, il est clairement dit... Du code forestier. Du code forestier, il est clairement dit qu'un mètre cube de bois coupé à proximité d'un village ou bien qu'il y a un impact dans un village ou bien dans une communauté, ce mètre cube revient à 800 francs. Et quand vous calculez les 800 francs multipliés par le nombre de mètres cubes, ça fait énormément d'argent. Pour les populations. Pour les communautés, pour leurs projets. Mais sauf que l'administration
générale, pas seulement des eaux et forêts. Seulement des eaux et forêts, l'administration générale. Oui, mais quand je dis administration... Ce n'est pas une guerre à ciel ouvert contre les eaux et forêts, Ngueza. Monsieur Ngueza. Nous sommes en train de trouver des solutions à une problématique qui est réelle. Depuis que je parle, je n'ai jamais évoqué le ministère des eaux et forêts. D'accord. Je parle de l'administration. Heureusement. Voilà. Et, c'est tant mieux. Et dans cette administration, vous avez beaucoup de démembrements qui interviennent. Malheureusement, on n'a jamais laissé les populations jouir pleinement de ces 800 francs. D'accord. Et c'est une véritable problématique. Gardez ces mots-là, monsieur Unai Sangui. Ça devient intéressant. Nous allons refermer cette première partie avec vous. Madame Effa, il y a que le FSC joue véritablement un rôle de choix dans la qualité du bois, au-delà dans la certification du bois. Mais est-ce que c'est votre seul rôle, quand on sait que vous arrivez dans des pays comme le Gabon où il n'y a que 3 sociétés officiellement certifiées et d'autres qui ne le sont pas? Quel est votre apport justement pour celles qui ne le sont pas et qui devraient l'être justement pour bien travailler et pour bien valoriser le bois gabonais? Alors déjà, on a initié des projets ou des activités de sensibilisation. D'accord. Le FSC a recruté un conseiller en certification qui travaille de très près avec des entreprises qui veulent aller à la certification. Leur montrer un peu comment pouvoir respecter les 10 principes du FSC et entrer dans le processus de certification, vérifier à quel niveau ils en sont dans leurs documents qui peuvent les amener à la certification. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a réalisé un plan d'aménagement, on a fait 60 à 70%. Quand on l'a bien réalisé, en faisant toutes les études qu'il faut pour faire son plan d'aménagement, on a déjà fait 60 à 70% du chemin vers la certification. D'accord, très bien, merci. Nous gardons le chemin vers la certification car il est parsemé d'embûches au Gabon et nous allons comprendre en seconde partie pourquoi. Voilà, nous marquons une pause dans cette partie et revenons avec les mêmes invités pour traiter de cette question de corruption avec peut-être des pistes de solutions, qui sait, ou encore des certifications en perspective. Dans tous les cas, on revient dans la seconde partie. Plateau spécial suite et fin sur la corruption dans le secteur du bois au Gabon. Qui pour répondre? 3 invités avec moi. David Ngueza, directeur général de l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. Merci d'être avec nous. Marc Onaes Sangui, secrétaire exécutif de Brent Forest au Gabon. Merci. Il y a également Edwige Ayant-Effa. Elle est consultante nationale FSC Gabon. Elle vous parlait de certification. Elle avait la parole. Je la lui rends, oui, pour la suite de cette émission. Il y a un processus qui a été initié par FSC pour peut-être aller vers ces entreprises qui ne sont pas encore certifiées et qui doivent travailler dans les normes. Donc, comment ça se passe? Vous le disiez à la fin de la première partie. Alors, je disais que le FSC a recruté un conseiller certification. Et ce conseiller certification travaille en étroite collaboration avec les entreprises qui sont dans ce processus de certification. On sait que l'objectif, c'est 2022. Il est en rapport avec l'administration et tout le bureau FSC qui est basé au Gabon aujourd'hui, avec l'administration forestière avec laquelle on a initié des séminaires stratégiques pour donner la bonne information ou alors pour échanger sur la feuille de route qui est élaborée ou qui est en cours d'élaboration pour qu'on puisse arriver à ce processus de certification du maximum d'entreprises. Parce que ce qui est sûr, comme le disait le directeur général, on a des brebis galeuses, on a des gens qui sont à différents niveaux, des entreprises qui sont à des différents niveaux dans le respect de la loi. Et il faut y aller. On a des entreprises aujourd'hui qui certainement, la fin de cette année ou l'année prochaine, iront au processus de certification. Est-ce que vous avez l'impression que le message est entendu? Parce que oui, on a toujours eu des entreprises forestières au Gabon qui revenaient d'Europe. Là, l'Asie gagne du terrain. Est-ce que vous avez l'impression qu'à ce niveau-là, les choses bougent? Est-ce que vous avez l'impression que le message est entendu?
Le message est entendu, surtout que c'est quand même un message qui a été pris à un très haut niveau, oui. Donc qui n'a pas été pris au niveau simplement des directions générales. Mm-hmm. C'est un engagement du chef de l'État directement. Les entreprises avec lesquelles on collabore aujourd'hui, qui viennent vers nous, parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui viennent au bureau FSC pour s'enquérir de comment faire pour aller à la certification, mm-hmm. quels sont les processus qu'ils doivent engranger pour aller à la certification. Mm-hmm. On leur donne des conseils. Et surtout le bien fondé de la certification. Il faut dire que la certification est un outil de marché. Mmh. C'est un processus volontaire. Un bois qui n'est pas certifié n'a pas plus de valeur qu'un bois certifié. On est d'accord. Un bois certifié a plus de valeur dans... Il y a des marchés spécifiques dans le monde qui ne consomment que du bois certifié. Vous ne le vendez pas comme vous vendez du bois non certifié. Mmh. Ça, c'est clair. Mmh. Il est vendu parce que derrière, le consommateur, il regarde, il voit ce petit logo, il sait que ce papier, je prendrai la rame de papier, mmh. ou votre pack de jus mmh. qui a le petit logo d'entreprise certifiée, mmh. le papier avec lequel on a fabriqué avec du bois mmh. qui sort d'une forêt qui est gérée durablement. Mmh. Et dans cette gestion durable, on a trois aspects. On a les aspects économiques, mmh. parce qu'une entreprise ne peut pas aller à la certification et tomber en faillite. Mmh. Donc il faut que cette entreprise soit économiquement viable. Très bien. On a les aspects environnementaux. Ben, vous n'allez pas polluer, vous n'allez pas faire vos ponts comme vous le ferez à n'importe quelle situation. Il y a de la biodiversité à protéger à l'intérieur de votre concession forestière. Donc, votre entreprise doit être environnementalement viable mm-hmm. et socialement bénéfique. Très bien. Pour les communautés autour, mais aussi pour le personnel. Voilà. Parce que les entreprises certifiées ont cette contrainte-là du renouvellement des équipements individuels des D'accord. entreprises, D'accord. d'avoir des règles à respecter dans un abatteur. Je prendrai l'exemple d'un abatteur. Oui. Il ne va pas seul couper le bois. Mmh. Il doit avoir un aide abatteur mmh. qui, lui, doit avoir juste à côté un autre aide qui, en cas de problème, doit pouvoir alerter D'accord. la base On pour dire qu'on a un problème à ce niveau. Oui. On a les communautés. Pour une entreprise certifiée, vous devez définir la zone d'influence des communautés. Mmh. Et il y a des outils pour le faire. On a des études socio-économiques qui sont menées pour connaître plus ou moins les revenus des ménages mmh. avant que vous n'arriviez. Il y a cette cartographie participative qui vous permet de définir le fignage des communautés. Parce qu'ils vont vous dire, nous, on va jusqu'à 10 km en forêt, mmh. mais pour le savoir, il faut cet outil-là. Et pour savoir que le FSC est important, il faut rester à côté de Mme Efaoui, mais nous n'avons que 26 minutes. On va essayer d'évoluer. Restez avec nous, Mme Efa, vous êtes pertinente à souhait, et moi, j'en apprends davantage, mais j'ai envie de m'intéresser. Et vous avez établi le parallèle, les communautés. Ces communautés qui sont si chères au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, je ne serai heureux que lorsque les Gabonais le sauront. Elles ne vivent pas de la forêt qui est la leur, non. au détriment de certains exploitants forestiers. Que dire davantage? Je reviens vers vous, monsieur le directeur général. Oui, madame. Alors, madame, par rapport à la problématique que vous venez de poser, j'ai deux observations. Dites-nous. Première observation, par le passé, dans le code forestier, on avait réservé 5 km entre les habitations et les permis. Mmh. Une sorte de... De bande mmh. de 5 km. De part et d'autre de la route. Voilà, de part et d'autre de la route. 5 km du village. Quand la loi a été révisée, ces 5 km ont disparu. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, non, elles ont disparu, excusez-moi d'interrompre. Oui, allez-y. Elles ont disparu, oui. mais au profit du développement des forêts communautaires. Au profit du développement des voilà. forêts communautaires. Mais voilà. sauf que c'est des outils mis en place dans le code pour permettre aux communautés de bénéficier de l'exploitation forestière, il faut le dire. Exactement. Si vous arrêtez à disparaître, c'est comme pour dire que mais l'État ne pense pas à eux. Mais je vais évoluer. Ce n'est pas le cas. Évoluer, voilà. s'il vous plaît. Le véritable problème, c'est que M. Nguenza évoque les forêts communautaires, mmh. mais ce ne sont pas toutes les communautés qui développent les forêts communautaires. D'accord. De un, de deux, oui. de deux, quand les entreprises
qui exploitent, comme Madame Effa vient de le définir, c'est-à-dire qu'il faut déterminer le finage. Mm-hmm. Quand les communautés tombent dans cette problématique, comment sont gérés les fonds? Comment? Il est mis en place un comité de gestion. Mm-hmm. Ce comité de gestion est composé de l'administration, mm-hmm. de l'opérateur mm-hmm. et des populations regroupées au sein d'une association. D'accord. Et le préfet est toujours le président de ce comité local de gestion. Mm-hmm. Mais sauf que, quand on doit déterminer, et le problème, c'est ça que nous avons identifié sur le terrain, quand on doit déterminer le nombre de cubages exploités dans la zone, il y a problème. Il y a problème entre les populations qui veulent en savoir davantage et l'administration, le privé, qui ne veulent pas réellement donner le vrai chiffre. Pourquoi? Madame, j'ai voulu... Voilà. Dites-moi. Pourquoi? Parce que si l'agent de l'administration, je dis bien de l'administration, trouve son compte dans des arrangements avec l'opérateur économique, vous souffrez de le nombre de cubages réellement exploités ne va pas être communiqué aux populations. Ah. Non. On va s'arranger, Madame, à ce qu'un chiffre... Je vais jouer aux journalistes. Oui. Monsieur Marc. Bon. Oui, jouez aux journalistes, je vous cède le plateau. Il y a la population qui nous regarde, il y a les gouvernants qui nous regardent. Ben oui. Attention, il faut dire que le code accompagne aussi les communautés dans la gestion participative. Laissons le code, monsieur Nguessa. Mais je ne dis pas le contraire, monsieur Nguessa. Mais ce que vous dites subtilement, vous parlez de l'administration. Si vous avez des cas, vous citez normalement quelle administration. Mais je vais vous citer le cas. Non, attendez, je finis. Oui. Et donc, mais si vous empêchez à monsieur de parler, vous ne pourrez pas répondre. Quelle administration? Parlez. Madame la journaliste, j'ai l'impression que vous avez... Non. Ensuite, vous allez prendre la parole parce que c'est vous l'administration. Okay. C'est non, vous qui êtes non l'administration dont il parle, elle est générale. Oui, d'accord. Il ne dit pas... Pouvez-vous souffrir d'écouter le cas et vous allez nous répondre? Ok. Monsieur Nguessa, oui. Vous savez très bien que Brain Forest est une ONG de terrain. De terrain jusqu'à une limite. Pas de terrain jusqu'en forêt. D'accord. Brain Forest, quand il dit comme ça, les populations écoutent, il va jusqu'au terrain. Je prends d'accord. Mais nous sommes... Monsieur Nguessa, si vous voulez qu'on... Moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Moi, je ne polémique pas aussi. Laissons la polémique, on construit ensemble. Mais il a pris l'exemple de l'argent qui est donné par les... grâce au code forestier auquel... rapidement, s'il vous plaît. Voilà, qui génère de l'argent. On met en place un comité. Le préfet est président. S'il arrive que cet argent ne va pas au projet communautaire, ce qu'il a constaté, ceux qui sont conscients, il faut qu'ils disent où, parce que dans les autres provinces, non, c'est peut-être respecté. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour d'accord. ça. Mais nous sommes toujours, là pour... toujours est-il que d'accord. l'administration pense aux communautés d'accord. dans la gestion forestière. D'accord. Est-ce que ça, il le reconnaît, il le dit bon, bien. Monsieur Nguessa, est-ce que je peux évoluer s'il vous plaît, dans rapidement. Mon développement. Ensuite, on donnera la parole à M. Nguessa, sachant qu'il nous reste c'est par expérience, parce que nous ne sommes pas une ONG de bureau, nous sommes une ONG de terrain. Et nous allons en forêt, contrairement à ce que M. Nguessa évolue. Vous avez en vu. En ce moment, oui. nous sommes dans le Guévino. D'accord. En ce moment, nous sommes dans le Wellington. En ce moment. Oui. Et nous sommes dans l'Angouni, sur trois provinces simultanément. Oui. Sur les questions de cahier de charges contractuelles. C'est normal. Attendez. Oui. Je vais évoluer. Ce que nous avons conseillé, on prend l'exemple du village qu'on appelle Esson Modum, avec CDG. CDG. C'est un opérateur économique. Voilà. D'accord. Vous connaissez le village Esson Modum dans le Wellington. Oui. Nous étions obligés d'intervenir. Oui. Pourquoi? Parce que ces populations qui ne croyaient pas aux chiffres donnés par l'administration des eaux et forêts, AOIEM, et l'opérateur CDG, ont décidé de placer... Brain Forest. Non, attendez, monsieur, vous avez évolué. Ont décidé de placer un ressortissant du village au sein de la société, au sein du permis, pour calculer, pour avoir le chiffre exact du nombre de cubages. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, le bonhomme a travaillé pendant quelques mois, il a été viré. Et l'administration des eaux et forêts était incapable de donner des vrais chiffres aux populations. Maintenant, je vous reprends la parole. Allez-y, DG, expliquez-nous comment c'est possible. Il faut d'abord faire la différence. Le dispositif qui est mis en place grâce au code, c'est pour penser aux communautés. D'accord. Maintenant, les responsables qui gèrent, s'il y en a qui ne sont pas
dans les règles de l'art, de la gestion, c'est une autre chose. Mais c'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'il est en train de dénoncer. Il dit ça pour ce cas-là. D'accord. Si sur 20 cas, il dit. Mais je cas, peux encore vous citer. Non, je ne peux pas me citer. D'accord, c'est pas possible. On va arrêter mais de non, citer les cas. Voilà, on ne cite mais, plus. Mais les s'il cas. Vous plaît, voilà, attendez. Moi, je dis. Permettez que je récupère un peu la parole. C'est, je dis oui, madame, allez-y. Cette émission, s'il vous plaît. Oui, oui. Monsieur Ngueza, vous semblez vouloir nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, même s'il y a quelques brebis galeuses. Monsieur Ngueza, j'ai encore envie de vous reprendre parce que le reportage qui est passé, l'enquête de Gabon 24, dans cette enquête, au cours de cette enquête, dans cette émission, vous dites, je vous cite, un tiers du bois coupé au Gabon l'est de façon illicite. Oui. Qui coupe ça, comment, pourquoi et que fait le ministère en charge du bois? D'accord. Alors, ceux qui coupent, il y a des membres des communautés villageoises, il y a des politiques qui entretiennent des coupeurs illégaux, il y a des individus très, très forts dans les provinces aussi qui influencent ces coupes illégales. Et donc, lorsque nous avons mené nos missions de contrôle pour vérifier un peu comment se passe l'exploitation, nous avons pu quantifier ce cubage qui est relevé dans le film. Mmh. La preuve, dès que nous avons découvert l'ampleur de ces coupes illégales, le ministère a pris des dispositions. Lesquelles? Ben, la première, c'est d'avoir des missions inopinées de contrôle. Mmh. Ce que qui fait, interviennent dans qui, un laps qui de temps. Qui interviennent toutes les deux semaines au niveau provincial. C'est-à-dire que l'administration, à travers la Direction générale des industries, la Direction générale des forêts, ben, ils se rendent souvent sur le terrain de manière inopinée parce que nous avons capitalisé sur ces coupes illégales. D'accord. Et nous avons également... Nous sommes en train de développer un système de traçabilité du bois. Ah, vous êtes en train? Nous sommes en train. Parce que le code forestier gabonais ne prévoit pas cette traçabilité du bois. Le code en lecture actuellement a pensé à mettre ces dispositions pour ce dispositif de traçabilité du bois. D'accord. Il n'était pas prévu bien avant. D'accord. C'est il parce que nous train. Avons pu découvrir... Il est encore dans le pipe. Non, il n'est pas dans le pipe, ah, madame. Il est où? Parce que nous l'avons testé sur le terrain. D'accord. Brent Forest le sait. D'accord. Madame... EFA aussi. Elle le sait parce FSC. Que... FSC. Mais pas, ils le savent parce qu'ils vont capitaliser très sur bien. Cet outil que mais nous pas, mettons oui, en place. Oui, d'accord. Mais ensuite, nous avons également, vous avez constaté, fait des rotations des responsables dans les provinces. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre plus de 3 ou 4 ans dans une province. C'est ce qui règle la question. Mais ça contribue, ça madame. Contribue. Ça contribue. C'est ce qui va arrêter la ça corruption. Contribue. Ensuite, nous avons restauré l'autorité de l'administration dans ces provinces où l'exploitation est forte. C'est-à-dire? Mais madame, nous avons pris des mesures fortes envers toute personne qui va vers l'illégalité. Vous savez, dans ce que vous avez suivez, dit, vous n'avez rien dit, parce que mesures fortes, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est quelle mesure? Non, madame, vous voulez que j'aille... Mais vous voyez bien les emprisonnements qui se passent. Ah, ce sont les emprisonnements. Mais non, il n'y a pas que ça. Vous êtes journaliste, madame. Vous savez ce que vous dites. Non, je ne sais pas ce que vous voulez nous dire. Non, moi, mais, je sais mais, ce que mais, je dis, mais pas ce que vous mais, voulez mais, nous dire. Mais les gens qui nous regardent, ils savent. Ah, est-ce que vous savez? Non, ils ne répondent pas. Bon, que voulez-vous nous dire? Je veux vous dire que lorsqu'une administration est forte oui. et qu'elle défend sa richesse, toute personne qui veut se mettre en face de l'administration, elle est mise... Elle est d'accord. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Comme par la exemple preuve, l'affaire de la Keva Zingo. L'affaire de Keva. Vous voulez parler du Keva? Oui, je parle du Keva parce voilà, que c'est il une est content, essence rare. Il est content, rare. Monsieur Marc. Parlons, oui, parlons-en. C'est une essence mais rare. Parlons-en justement. Mais vous prenez un bon exemple. Vous avez bien vu la mesure qu'a pris le gouvernement lorsque ce problème de Keva est né, c'était d'interdire l'exploitation. Première chose. C'était une mesure forte, madame. Vous avez saisi le bois? Il a été saisi? Nous avons retracé les Keva Zingo coupés illégalement. Et nous avons mis un dispositif pour les valoriser, qui permet à l'État de récupérer quand même une partie de la valeur de ce bois coupé illégalement. Mais c'est fait? Mais ça se fait actuellement. D'accord, mais M. Ngueza, si on s'arrêtait un peu sur Keva Zingo, oui? C'est une essence rare. C'est un bois qui est censé être protégé. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est un bois qui est censé, c'est un bois protégé. Protégé. Pas censé. Mais il est protégé. Mais il se retrouve dans 353 conteneurs. Mesdames, messieurs, c'est pas des chiffres inventés par Gabon 24. Oui. Il se retrouve dans 353 conteneurs. Comment? S'il n'y a pas une corruption active, passive de tous les exploitants autour. Non, non, il n'y a plus. Pour parler du Keva, oui. Je ne pense pas que nous sommes encore dans une corruption passive. Vous avez sorti 353 conteneurs. Qui ont été identifiés à l'époque oui. et dont l'administration
se charge jusqu'à aujourd'hui mais de traquer. On arrive à 353 conteneurs, c'est qu'il y a une forêt, il y a une grosse, une grande partie. Il y a eu une coupe illégale une de coupe ces bois. Une coupe illégale, mais en coupe là-bas, comment? Vous mais faites quoi, vous, non. En tant que garant de l'autorité de l'État? Madame, c'est là que j'ai envie madame, d'arriver. Madame, nous avons quand même 16 millions d'hectares de forêt oui. donnés à l'exploitation. D'accord? Oui. Et vous savez que pour contrôler 16 millions, il faut, comme a dit au début M. Marc, des moyens. D'accord. Donc, vous vous donnez pour donner, sachant quand, que vous n'avez pas de moyens. Non, on a suffisamment de moyens. Sauf que... Pour? Mais on a des moyens pour contrôler. D'accord. Sauf qu'on n'est pas en forêt d'accord. en permanence. Mmh. Donc, le voleur profite de ses limites pour sortir du bois. Existe-t-il donc sauf une... que, oui. Sauf que oui. l'administration absolument. Étant vigilante, elle a pu intercepter d'accord. ce trafic. 353 conteneurs, on ne sait pas combien sont sortis avant le sursaut de l'État. Bon, ça, on peut pas. La cartographie des zones touchées, est-ce qu'on la connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire au Gabon que telle zone et pas telle autre est plus touchée que telle autre? Par rapport à... À l'exploitation illégale du bois. Oui, oui, on peut le dire. Bah, allez-y rapidement. Par la connaissance que nous avons, oui. on va clairement dire qu'aujourd'hui, l'exploitation illégale est dans l'estuaire. D'accord. Quand même assez... Forte. Uh-huh. Elle est également dans le Moyen Ougoué. D'accord. Elle est dans le Ougoué Ivindo, dans le Haut-Lintem. D'accord. Mais elle est moins dans le Ougoué Lolo. D'accord. Merci elle beaucoup. Elle est moins aussi dans le Haut-Ougoué parce Merci. Qu'il n'y a pas une grosse activité forestière. Par D'accord. Là-bas. Mais il y en a une ici et on attend toujours que le gouvernement nous montre, enfin, vous, nous, les responsables, vous nous montrez que vous alliez au bout des choses. Parce mais que nous allons aller au bout des bon, choses. Bon, on madame. Espère. Et c'est ça voilà. que nous faisons. Et nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Dernière oui. question. Quels sont les mécanismes mis en place pour lutter contre la corruption dans le secteur bois? Comment Brent Forest accompagne l'État justement pour qu'il n'y ait plus de corruption dans le secteur du bois et que les populations puissent bénéficier véritablement de ce qui leur est dû? Pour que Brent Forest accompagne l'administration avec beaucoup d'efficacité, mmh. il faut que l'administration soit... ouverte, il faut que l'administration soit transparente. Oui, il faut que l'administration. Mais madame, il est au ministère des Eaux et Forêts pour assister qu'il à cette émission. Il me laisse développer. Donc on est ouvert. Mais monsieur Ingueza, apparemment vous ne voulez pas qu'il dise la vérité sur le plateau. Non, allez, on y va, allez-y, parce que ce sera son mot de la fin. Allez-y rapidement. Alors je voudrais tout simplement dire que, et je l'ai dit au début, l'administration n'a pas des moyens suffisants pour faire ce travail sur toute l'étendue du territoire. Il faut des alliés, il faut des associés. Des acteurs comme des ONG et d'autres. Aujourd'hui, l'administration est en train de s'appuyer sur une ONG, le FSC. Mmh. Encore que pour la certification, et je leur ai toujours dit, j'ai toujours dit au FSC, que la décision que le gouvernement peut prendre, c'est de vouloir que la certification soit universelle, mais pas imposer un certificateur. Mmh. Ça, c'est notre position. D'accord. Mais nous sommes pour la certification pour tous les opérateurs forestiers dans notre pays. D'accord. Et comme elle a dit, la certification est une démarche de marché, mm-hmm. une démarche commerciale. D'accord, mais sortons de ça, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission, votre mot de la fin. Et par conséquent, nous disons, l'administration doit de moins en moins être fermée. Mm. Il faut qu'elle s'ouvre. Il faut qu'elle s'ouvre, voilà. Il faut qu'elle donne l'information publique à ceux qui ont besoin de cette information publique pour travailler, pour qu'on l'aide. D'accord, très bien. Madame Ifa. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire sur le FSC. Avec vous, j'apprends qu'un bois certifié a un bon marché. Tout le bois gabonais peut l'être, n'est-ce pas? Mais comment on y arrive? On y arrive en mettant les outils qu'on est en train de mettre en place. Très bien. En accompagnant l'État. Parce que dans l'accompagnement du FSC, il n'y a pas que le FSC seul et l'État. Mmh. Il y a aussi la société civile. Mmh. Mais il y a, si je prends le cas de la norme, nous avons dans le principe 1 des critères et des indicateurs de lutte contre la corruption, mmh. où on demande à l'entreprise de justifier qu'il n'est pas corrompu ou qu'il n'est pas corrupteur. Ça, vous avez ça dans le principe 1, qui est le principe qui traite de la loi. Souvent, ils vous répondent? C'est vrai que c'est compliqué de répondre, mais ils répondent. Ils font au mieux. Mm. Ils font au mieux pour qu'on puisse vérifier ces indicateurs-là qui leur sont demandés. Mm. Ils sont dans la norme nationale. Très bien. Ils doivent être vérifiés, ces indicateurs. La non-corruption. C'est d'accompagner les entreprises vers ce processus. Mm. Comme je vous le disais, on a tendance à dire que la certification coûte cher.
La certification coûte cher quand vous partez de zéro. D'accord. Si vous avez réellement fait un plan d'aménagement, je l'ai dit au début, vous avez réellement fait un plan d'aménagement, un plan de gestion de la faune, un plan les assiettes annuelles de coupe définies, tout ce qu'il faut dans le plan d'aménagement, les différentes études, vous les avez menées dès le départ, parce que c'est ce que la loi forestière vous demande. Ce que le FSC vous demande, c'est des arguments, des accessoires en plus qui ne vous coûtent pas cher. Ça vous coûte cher quand vous n'avez même pas un vrai plan d'aménagement. Mais si vous avez déjà le plan, allez vers le FSC. Vous complétez simplement très bien les quelques votre éléments mot de en la plus. Fin. Votre mot de la fin, rapidement. Alors, le mot de la fin, c'est vrai que pour moi, la certification forestière est un outil qui peut être utilisé pour lutter contre l'exploitation illégale du bois. Et même un outil de lutte contre l'exploitation illégale de bois. Bien. Parce que pour vendre sur certains marchés, vous êtes certifié, ça veut dire déjà que vous respectez la loi et donc que vous n'êtes pas dans l'illégalité. Très bien. Merci beaucoup, Madame Effa. Vous avez, cette émission, c'est la vôtre. Oui, vous êtes le garant en tant que représentant de l'autorité de l'État ici sur le plateau de Gabon 24 de la vie de nos forêts. Oui. Monsieur Ingueza, aujourd'hui, la réalité, et vous-même vous la dénoncez dans le reportage de Gabon 24, est qu'il y a encore des exploitants qui ne respectent pas le code forestier gabonais, qui foulent au pied la loi gabonaise, les normes établies. Mais il y a qu'en face d'eux, il y a l'autorité de l'État qui n'est pas exercée. Oui, vous avez commencé à rétablir l'autorité de l'État dans certains endroits, mais à court terme, qu'est-ce qui va se passer dans ce secteur pour mettre fin à la corruption? Pour mettre fin à la corruption, je pense qu'à court terme, l'administration a commencé à donner des moyens opérationnels à nos services déconcentrés pour lutter. C'est un pan très essentiel. On a des exemples, on a des partenaires qui nous donnent des moyens. On a l'administration qui met quand même des moyens opérationnels. J'entends par là les kits forestiers et des véhicules pour être plus proche de la ressource et faire des contrôles inopinés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous formons des techniciens qui sortent de certaines écoles à mieux contrôler, d'accord ? Et nous développons des systèmes pour dématérialiser la gestion forestière. Le système de traçabilité, c'est de ça dont je parle. D'accord. Donc nous sommes réellement en train de mettre ça en place. Et nous révisons le code pour tenir compte de toutes ces problématiques nouvelles qui doivent être prises en compte dans notre loi forestière. Je terminerai également pour dire à tous ceux qui nous regardent que l'administration se réveille parce qu'il y a une forte volonté politique. Elle dormait, c'est bien de le rappeler. Attention, d'accord. L'administration se réveille parce qu'il y a une forte volonté politique, madame. Très bien. Et donc, ceux qui nous regardent, et surtout les délinquants forestiers, doivent s'attendre à croiser une administration forte et éviter de couper illégalement. Parce que c'est essentiel pour notre pays d'avoir une économie forestière saine, pour que notre fiscalité forestière soit optimale et qu'elle puisse permettre le développement et qu'elle puisse équiper nos administrations pour mieux remplir nos missions. C'est un directeur général qui vient de parler, donc vous avez compris qu'il y a un peu de politique à l'intérieur, mais moi je suis plus précise. Là, les Gabonais me demandent, Laetitia Ngalibika, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'on a saisi le Kevasingo, je reviens dessus, hein. On a saisi le Kevasingo, il a été transformé ici, l'argent là est passé par où? C'est une question. Ok, on a saisi le Keva, l'administration que je représente est allée récupérer ce Keva qu'on a trouvé, l'a amené à son parc à bois, et il a demandé à toute personne, tout opérateur qui veut l'acheter, de l'acheter de manière ouverte. Elle a rapporté de l'argent pas au niveau qu'on attendait, parce que effectivement, c'est des kevas qui ont été coupés depuis 5 ans, qui ont été emmagasinés dans des containers, donc le défraîchissement, l'humidité a un peu causé des dégâts, donc elle a perdu de sa valeur, mais elle a permis quand même de faire rentrer à l'État un certain nombre d'argent qui permet à notre administration de renforcer les capacités opérationnelles dont je vous ai parlé. Et vous n'avez pas pensé aux communautés qui ont été justement victimes de ces coupes illégales? Non, ces coupes illégales ont été faites sur tout le territoire. D'accord, on ne peut pas identifier. Sur tout le territoire, là, il n'y a pas une petite, un petit quelque chose mais pour les gens. Mais on ne donne pas comme ça un petit. Si on renforce l'administration, elle permet
Donc l'argent a servi à acheter quoi Mais l'argent sert à acheter les moyens opérationnels qui permettent à l'administration de remplir sa mission régalienne de gestion. On espère que cette administration remplira définitivement ses missions régaliennes et que le bois gabonais... Elle remplit ses missions. Ah, elle remplit. Oui. Et on a toujours des coupes de bois illégales. Mais madame, on éradique ça pas en un claquement de doigts. Mais tout est fait pour aller vers... Mais la preuve, M. Marc, on a... Tout est fait pour aller vers une uniformisation des mécanismes pour permettre qu'il n'y ait plus coupe illégale. Ah oui. Ah, d'accord. Ah oui. C'est ce que l'on retient. Oui. Merci à vous d'avoir participé. Je rappelle qu'il s'agissait de David Ingueza, directeur général de l'agence d'exécution des activités de la filière bois au Gabon. À côté de moi, l'autre dame de ce plateau, Madame Edwige Ayant, FA, consultant national FSC Gabon. Et puis, tout au fond, il y avait Monsieur Marc Ona Essangui, secrétaire exécutif de Brent Forest. Nous ne savons toujours pas qui corrompt qui, pourquoi, comment. Nous savons qu'il y a des choses à régler. Elles ont été dénoncées. Nous savons également que la norme FSC est essentielle au bois gabonais. Nous retenons que l'administration compose désormais avec toutes les parties prenantes pour que plus jamais la corruption ne passe par la forêt gabonaise, c'est ce que l'on retient. Oui, j'aime cette conclusion. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Le plateau spécial de Gabon 24 sur la corruption dans le secteur du bois au Gabon. Qui, pour répondre, se referme? Merci à vous de nous avoir suivis. La discussion se poursuit chez vous. Avec Move Money, effectuez vos transactions financières dans les pays de la zone CEMAC. Avec Move Money, effectuez vos transactions financières dans les pays de la zone CEMAC. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure d'une nouvelle édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres.
Dans ce journal, nous parlerons de la Somalie qui a appelé le Kenya à rouvrir sa mission diplomatique à Mogadiscio suite à la normalisation des relations entre les deux pays voisins. Cinq pays élus, dont le Gabon, comme nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Une interrogation demeure tout de même, pour quel enjeu ? Voici pour les principales articulations de cette édition d'information. Place au développement. Bienvenue à toutes et à tous. C'est en Éthiopie que nous ouvrons ce journal, car là-bas, dans une semaine, les électeurs iront aux urnes dans le cadre de 6 élections nationales, les premières du genre dans un contexte difficile. Le Premier ministre Abiy Ahmed, lui, a d'ailleurs indiqué sa volonté de tenir des élections pacifiques, démocratiques et unies. Le point avec Rona Charline Mouikonde. Regardez. Après deux reports, les élections nationales du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique se tiendront le 21 juin prochain. Un scrutin crucial pour l'Éthiopie confrontée à une série de crises profondes. Nous sommes face à une élection qui va développer ou détruire notre pays, le construire ou le démolir. Nous, Éthiopiens, savons fermement que la division née du conflit n'est pas une meilleure option. Je veux appeler à nouveau à un accord et à la protection et à la prospérité de notre pays. Un premier test électoral pour le Premier ministre éthiopien, arrivé à ce poste en 2018 à la faveur d'une crise interne à la coalition dirigeante. Le gouvernement souhaite que ces élections soient pacifiques, démocratiques et ouvertes à tous les partis pour le Conseil des législateurs. Nous voulons un gouvernement dans lequel tous les partis collaborent sur les questions clés en donnant la priorité aux avantages du pays, en agissant non pas comme des traîtres, mais comme des combattants. Si 50 000 bureaux de vote ont été retenus, leur effectivité est jusqu'ici moins sûre pour les 36 millions d'électeurs enregistrés. Allons aussi parler de diplomatie avec la Somalie et le Kenya. C'est le ministère somalien des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a déclaré que Mogadiscio rouvrirait réciproquement son ambassade au Kenya pour reprendre des relations diplomatiques complètes. Les détails. Le gouvernement somalien avait annoncé le 6 mai dernier la reprise de ses relations diplomatiques avec le Kenya, qui avait de son côté pris acte de cette annonce, disant attendre avec intérêt la poursuite de la normalisation des relations par les autorités somaliennes. La représentation kenyane en Somalie est fermée depuis décembre dernier, quand la Somalie a annoncé unilatéralement la rupture de ses relations diplomatiques avec son voisin en réponse aux violations politiques récurrentes du Kenya contre sa souveraineté. L'ambassadeur kenyan à Mogadiscio avait alors été expulsé et l'ambassadeur somalien à Nairobi rappelé. Selon le ministre somalien des Affaires étrangères, la reprise des relations diplomatiques complètes sera un début positif pour le lancement de discussions bilatérales entre les deux pays. Le Kenya et la Somalie, qui partagent 700 km de frontières communes, sont engagés dans la lutte contre les islamistes Shebab qui mènent des attaques régulières sur les deux territoires. Et c'est sur fond de lutte contre le terrorisme que les deux voisins s'accusent mutuellement, Mogadiscio accusant régulièrement Nairobi d'ingérence. À son tour, Nairobi accuse Mogadiscio de chercher un bouc émissaire à ses problèmes internes. La rupture des relations diplomatiques l'année dernière est intervenue alors que le président kenyan Uhuru Kenyatta recevait à Nairobi le président de la République autoproclamée du Somaliland, non reconnu par la communauté internationale. Un territoire considéré par Mogadiscio comme faisant partie intégrante de la Somalie. Les deux pays se disputent également au sujet du tracé de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien, un dossier qui doit être tranché par la Cour internationale de justice, principal organe justiciaire de l'ONU. Et vous le savez, sans nul doute, le Gabon vient d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2022. Un vote massif qui, d'après les autorités gabonaises, démontre l'intérêt porté au pays sur le plan international, mais d'aucuns s'interrogent sur son enjeu. Explication de Déoline Zouti. C'est une victoire diplomatique pour le pays, mais également une lourde responsabilité, tant les enjeux sont importants. Un mandat de membre au Conseil de sécurité, n'est-ce pas, fait en sorte que le pays
est sollicité par d'autres États, d'autres acteurs qui ont des questions à soumettre à l'examen du Conseil de sécurité. Donc ça place le Gabon dans ce rôle-là. Mais aussi, le Gabon peut être celui, n'est-ce pas, qui défendra au Conseil de sécurité les questions qui touchent à la paix et la sécurité en Afrique. Le Gabon, n'est-ce pas, peut aussi être sollicité par certaines grandes puissances. À ce poste, le Gabon, pendant les deux prochaines années, fera donc partie des pays qui vont veiller sur la paix et la sécurité, tant au niveau national, régional qu'international. Dans la sous-région de l'Afrique centrale, nous faisons face au terrorisme de groupes comme Boko Haram. Mmh. Nous faisons face à la piraterie maritime dont le Gabon a été victime. Nous faisons face au braconnage, à l'exploitation illicite des ressources naturelles, toutes choses qui alimentent, n'est-ce pas, les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité, la circulation des armes légères dans la sous-région. Tous ces facteurs-là font en sorte que le Gabon, qui s'inscrit dans une diplomatie d'engagement et de responsabilité, n'est-ce pas, doit être membre non permanent de cet organe. Pour le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, son pays très attaché au multilatéralisme et à la coopération entre les nations, ne ménagera aucun effort pour participer à l'effort de paix, de sécurité, d'équilibre et de stabilité dans le monde. Avec cette nouvelle élection, le pays dispose désormais de 3 mandats électifs au sein des Nations Unies. Parlons aussi de santé au pays d'Ali Bongo Ondimba, où, à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang célébrée ce 14 juin, la rédaction de Gabon 24 revient sur ce processus dans le pays. À quelle échelle est-il pratiqué? Mais surtout, quelles sont les personnes en mesure de donner leur sang? Les détails. Le don de sang constitue une aide cruciale pour sauver la vie des malades en situation critique dans les centres hospitaliers. Les dons sanguins sont pratiqués à grande échelle au Gabon, à en juger par ces statistiques importantes. Alors au Gabon, pour l'année 2020, nous avons réalisé 8382 prélèvements pour 32 535 transfusions. Tout le monde n'est pas éligible au don de sang. Il faut répondre à certains critères. Alors, les personnes éligibles au don du sang sont toutes les personnes majeures, en bonne santé, ne présentant aucune pathologie chronique, ayant un poids supérieur ou égal à 50 kg et ne présentant aucun signe à l'entretien médical qui pourrait le disqualifier au don de sang. Après avoir fait un don sanguin, il y a une conduite à tenir. Alors après le don de sang, il est conseillé de se reposer un petit peu, de prendre quelque chose à boire et à manger, donc c'est ce que nous faisons au centre. Et également éviter de boire, de fumer et éviter des activités physiques intenses, donc du sport ou des choses comme ça. Le sang, tissu vivant composé à 55% de plasma et à 45% de cellules irriguent tous les organes. Leur apporte de l'oxygène ainsi que des éléments nutritifs et les débarrasse de leurs déchets. C'est pourquoi il est important de donner et d'en avoir assez. Et puis, hors des frontières africaines, les 7 économies les plus industrialisées du monde ont pris la décision de distribuer plus d'un milliard de vaccins anti-Covid aux pays qui en ont besoin d'ici fin 2022. Cependant, ces derniers demandent que soit faite une enquête sur l'origine de la pandémie. Les détails avec Andela Guédou. Comme il fallait s'y attendre, le sommet du groupe de décision et de partenariat économique qui rassemble chaque année les 7 pays les plus industrialisés du monde s'est largement penché sur la pandémie de Covid-19. Et l'une des décisions les plus importantes, c'est l'engagement du G7 qui va partager plus d'un milliard de doses de vaccins à travers le monde, dont 60 millions de doses seront fournies par la France. Et cela d'ici la fin de 2022, pour éradiquer la pandémie actuelle. Je suis heureux d'annoncer que ce week-end, les dirigeants se sont engagés à fournir plus d'un milliard de doses, soit par le biais d'un financement à COVAX. Pour que cette initiative soit réussie, le Premier ministre britannique Boris Johnson
a demandé à ses homologues de contribuer à la fourniture des doses vaccinales nécessaires afin que le monde entier soit immunisé d'ici la fin de l'année prochaine. En outre, le G7 a par ailleurs demandé une enquête plus approfondie de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du coronavirus en Chine. Cette enquête doit être transparente et menée par des experts. Autre actualité dans ce journal, le président turc Recep Tayyip Erdogan prend part ce lundi au sommet des dirigeants de l'OTAN à Bruxelles. Au cours de cette rencontre, il s'entretiendra avec ses homologues américains Joe Biden et français Emmanuel Macron. Des entretiens destinés à ouvrir un nouveau chapitre des relations transatlantiques. C'est Déoline Zouti qui nous en parle. Ces deux rendez-vous en marge du sommet de l'Alliance Atlantique vont donner un baromètre des relations transatlantiques polluées ces derniers temps par des tensions entre la Turquie et l'Europe d'une part et entre la Turquie et les États-Unis d'autre part. Avant l'ouverture du sommet ce lundi, le président turc va rencontrer le président français, signe de la volonté d'apaisement des relations entre les deux chefs d'État après des déclarations à l'emporte-pièce l'année dernière. Ce sommet va permettre aussi la rencontre pour la première fois entre Joe Biden depuis qu'il est président américain et Recep Tayyip Erdogan. Les deux présidents devront échanger sur des dossiers sensibles comme l'acquisition de missiles russes. Les Occidentaux sont nombreux à le reprocher à Ankara et singulièrement Joe Biden qui inaugure une ligne diplomatique plus ferme vis-à-vis de Moscou. Ankara est aussi mise en cause pour ses interventions militaires en Syrie, en Libye, dans le Caucase. Sur ces deux derniers théâtres, la Turquie nie la présence de soldats et n'évoque que des conseillers. Mais ce qu'Ankara demande surtout à Washington, c'est un engagement plus fort contre le PKK. Ankara ne fait pas de différence entre cette organisation classée terroriste par les Occidentaux et les membres des IPG en Syrie. Un dossier pourrait connaître une avancée concrète, l'Afghanistan. Après le départ des troupes américaines, l'armée turque pourrait rester. C'est la Turquie qui protégerait l'aéroport de Kaboul, la principale voie de sortie pour les diplomates et les humanitaires. Et pour la boucle de ce journal, une nouvelle page de l'histoire d'Israël s'est tournée ce dimanche avec le vote de confiance du Parlement favorable à Naftali Bennett, mettant fin à 12 années de règne du désormais ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Rodney Ovono pour le récit. C'est peut-être la fin d'une crise qui aura duré près de 2 ans. Alors que la Knesset, le Parlement israélien, a voté en faveur de la coalition du changement du nouveau Premier ministre Naftali Bennett, qui succède à Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Sur les 119 députés présents, 60 ont voté en faveur de la nouvelle coalition, qui va de la droite à la gauche en passant par l'appui d'un parti arabe. 59 députés, principalement du parti Likoud de Netanyahou, de l'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes, s'y sont opposés. Dans la foulée, chaque membre du 36e gouvernement israélien a prêté serment à la tribune de la Knesset, à commencer par Naftali Bennett. C'est un véritable camouflet pour Benjamin Netanyahou et le Likoud qui avaient terminé en première place du scrutin en mars dernier, sans toutefois rallier une majorité de 61 députés pour former un gouvernement. Devant l'impasse, le président Reuven Rivlin avait demandé au chef de l'opposition Yair Lapid de tenter sa chance. Dès son entrée en fonction, Naftali Bennett et son gouvernement seront confrontés à des défis comme la relance économique post-pandémie et éviter des sujets sensibles comme la question palestinienne. Point final à cette édition d'information. Place au rappel des principales articulations qui l'ont constituée. Dans ce journal, nous parlions de la Somalie qui a appelé le Kenya à rouvrir sa mission diplomatique à Mogadiscio suite à la normalisation des relations entre les deux pays voisins. 5 pays élus, dont le Gabon, comme nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Une interrogation demeure tout de même. Pour quel enjeu? Ainsi se referme cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. N'oubliez pas, l'actualité continue via nos réseaux sociaux et surtout que les gestes barrières sont toujours de mise. Au revoir. Vous faites très bien de nous appeler, nous sommes là pour vous écouter. Vous nous appelez de quel arrondissement, s'il vous plaît? Un numéro vert
est un numéro de téléphone gratuit pour l'appelant qui passe l'appel depuis un poste fixe ou un mobile. Le coût de la communication est endossé par l'entreprise détentrice du numéro. C'est donc le destinataire qui paie. Voici pourquoi il est facilement sujet à des appels de plaisanterie. Si les numéros verts sont souvent utilisés pour de campagnes publicitaires ou de marketing, ils sont également employés pour les administrations publiques pour aider les citoyens sur des problèmes de santé, comme le numéro vert consacré à la vaccination, le 13-14, celui des violences faites sur le genre, le 14-04 ou le 14-01 pour dénoncer les agents racketeurs de la gendarmerie, pour ne citer que ceux-là. Les numéros verts pour une entreprise privée ou une entreprise ou un service public est un numéro qui est mis à la disposition justement des clients, mais qui est gratuit. Donc vous appelez et vous ne payez rien lorsque vous avez un interlocuteur au bout du fil. Mais la réelle difficulté que rencontrent ces cellules d'écoute, ce sont les plaisantins de tout ordre. Il y a ceux qui appellent pour blaguer ou d'autres qui vont jusqu'à proférer des injures à l'endroit des conseillers d'orientation. Mais ces derniers, en professionnel, savent les recadrer. C'est celui, quand il vous appelle, l'objet de son appel n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Le 1404, il faut d'abord rappeler que le 1404, c'est un numéro mis en place par le ministère des Affaires sociales du droit de la femme afin d'aider toute personne de tout genre, c'est-à-dire hommes, femmes, victimes de toutes sortes de violences. Vous avez les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences économiques et administratives. Vous avez aussi les témoins de violences. Lorsqu'un usager nous appelle, celui qui est bel et bien plaisantin, si sa préoccupation n'a rien à voir avec toutes ces violences, il peut également avoir un autre usager qui nous appelle et qui nous dit par exemple « je t'aime ». Par exemple, ça n'a rien à voir avec le numéro en question. C'est cela qu'on appelle les plaisantins. Nous rappelons à ces plaisantins que cette ligne est une ligne professionnelle. C'est une réelle préoccupation. C'est-à-dire nous recevons des usagers qui veulent se faire vacciner afin de lutter contre la COVID-19. Nous leur rappelons et sur ce fait, nous prenons congé. On ne peut pas se mettre en colère, c'est notre boulot. On reste toujours professionnel. L'objectif, c'est de faire comprendre aux plaisantins que leur appel n'a aucune raison valable. C'est-à-dire la maîtrise des soins est l'une des qualités que nous avons pour ce travail. Donc nous prenons sur nous et puis nous agissons en professionnel. Une situation embarrassante pour les conseillers d'orientation, car plus de la moitié des appels proviennent des plaisantins. Sur la campagne donc vaccinale, la campagne Copilvac, sur les 34 000 appels reçus à ce jour, on a à peu près 53% d'appels de plaisantins reçus. Donc qui représentent à peu près 12 000 appels de plaisantins. Sur la campagne face à la violence pour l'égalité des genres, sur les 22 000 appels à peu près reçus à ce jour, on enregistre à peu près 42 à 43% d'appels reçus de plaisantins, soit à peu près 9 000 appels. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est assez important et ça pour conséquence de ralentir la campagne et le travail des téléconseillers. Lorsqu'un plaisantin est en ligne, on ne peut pas le rabrouer, on est obligé de faire on est obligé de faire de la prévention, on est obligé de faire de la formation pour leur dire de ne pas appeler s'ils n'ont pas les questions liées au thème ou sérieuses. Et donc, ils consomment du temps réservé aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Les blagueurs ne sont pas exempts des poursuites judiciaires. Ça a été le cas d'un jeune de 19 ans surnommé Marion, placé sous mandat de dépôt le 29 mars 2020 à la prison centrale d'Ouyem, dans le nord du Gabon, pour avoir blagué avec le 1410, numéro vert pour les informations sur la COVID-19. S'étant rendu sur les lieux et voyant qu'ils se font balader, les agents du service de la cellule du plan de veille et du riposte national contre le coronavirus ont mis à contribution l'antenne départementale de la police d'Ouyem. C'est à la suite d'une traque minutieuse que ce jeune homme a été arrêté dans son village, Misélé-Ébé, situé sur l'axe Bitamouyem.
Les solutions, on va dire, résident dans notre professionnalisme, dans notre façon de répondre, dans notre pédagogie. Souvent, ils comprennent que bon, ils ne doivent pas s'amuser. Mais après, lorsque ça devient répétitif, nous avons la possibilité d'identifier les numéros et de saisir les autorités. Nous pouvons porter plainte face à cet individu qui sature la ligne. Et puisque nous avons des enregistrements, nous avons des preuves, donc nous pouvons saisir la justice et qui va s'emparer du problème. Et voilà. Donc, nous évitons d'en arriver là parce qu'on sait que bon, aller en prison pour avoir fait une plaisanterie, ce n'est pas toujours agréable. Vous me donnez l'opportunité de m'adresser à ces plaisantins et de dire à ces derniers qu'on n'appelle pas un numéro vert pour s'amuser ou pour embêter. On appelle un numéro vert parce qu'on a un besoin spécifique. Il faut donc laisser ces personnes qui ont ce besoin spécifique d'avoir accès à la ligne en tout instant et prioritairement. En droit gabonais, la diffusion de fausses nouvelles est une infraction punie par les dispositions de l'article 227 du Code pénal. Elle consiste à publier, diffuser ou reproduire par n'importe quel moyen des informations fausses, des pièces fabriquées, falsifiées, voire mensongères et basées sur la mauvaise foi. Dès lors que celles-ci ont été reconnues comme de nature à troubler l'ordre public, des dispositions qui devraient servir d'exemple pour un bon citoyen soucieux d'être en harmonie avec la loi. Le 14 juin de chaque année, le donneur de sang. Une journée qui a pour but de sensibiliser les populations aux enjeux même des dons de sang. Le docteur Olivier Rebieno, directeur général du Centre national de transfusion sanguine, est l'invité que je reçois pour ce nouveau numéro d'Instant Santé. Nous avons défini un programme de fidélité. Chaque donneur qui a fait 3 dons au cours d'une année bénéficie d'une carte de fidélité. Et cette carte sur cette carte, il y a des avantages, notamment justement la gratuité d'une poche de sang. Nous y avons pensé. Mais la gratuité de la poche de sang est accordée pour tous ceux qui la demandent. Dernière mesure gouvernementale, ainsi se présente le dispositif s'adressant aux passagers internationaux. Une réservation d'hôtel obligatoire avant le vol pour le Gabon doit être faite sur la plateforme dédiée. Un test de dépistage à l'arrivée est effectué sur chaque passager. Le passager est ensuite transféré vers son hôtel pour une mise en quarantaine de 24 heures en attendant les résultats. Si le test est négatif, le passager sort aussitôt de sa mise en quarantaine. Si le test est positif,
le passager est aussitôt soumis au protocole COPIL. Sont concernés par ce processus les passagers internationaux, gabonais et non gabonais. Pour le bien de tous, continuons de respecter les mesures barrières. Ceci est un message du gouvernement. In Gabon, the downward trend in the COVID-19 pandemic continues as the number of active cases is falling considerably. The positivity rate is now down to 0.7%. Israel's parliament on Sunday approved a new coalition government, ending the record-setting 12-year rule of Benjamin Netanyahu. That's all for our top stories. Stay tuned on this newscast. With 2,424 cases, of which more than 1,000 were recorded in Estuary province at the time of the announcement of the lifting of certain restrictions, the number of active cases in Gabon has now fallen to 839. The downward trend of COVID-19 in the country is thus consolidating day by day. From June 7th to 11th, the country recorded only 145 new positive cases compared to 926 cases and 2 deaths. On January 11, 40 new cases were declared positive out of 6,108 tests performed. This represents a positivity rate of 0.7%, which has largely decreased since the second wave of the pandemic in the country, so that more and more people are thinking about total confinement. As for the number of active cases, 283 have been recorded in Estuary province, 204 in Wenogwe, 1-5 in Ogwe Maritime, 72 in Ogwe Lolo, 23 in Nyanga, 16 in Otogwe, 9 in Ogwe Evindo, 7 in Wolentem, and no cases in Gunye province. Since the start of the pandemic, more than 839,236 tests have been carried out in the country's 9 provinces, including 24,736 positive cases. Of these cases, 23,741 have been cured and 156 have died. As of 11th of June, 33 people were hospitalized, including 17 in intensive care for respiratory distress. In the country, authorities in charge of response of this pandemic are inviting the population to respect discipline, particularly the barrier gestures, to protect themselves. The G7 has promised to distribute more than 1 billion doses of COVID-19 vaccine by the end of 2022, according to Boris Johnson. It directly provided 870 million doses of true funding. This will bring its total commitment since the start of the pandemic to 2 billion doses. And to this end, we are pleased to say that the G7 countries have committed quite a lot of support and assistance in the form of making vaccines available and in some cases allowing exports to go to African countries and indeed other parts of the world. France has assured that it is doubling its promise, increasing to 60 million doses by the end of 2021. The leaders also called for a further investigation by the World Health Organization into the origin of COVID-19 in China. We brought a message here that we would like to have access to the vaccines as well, so that the people of Africa, of whom only 2% have now been vaccinated, as opposed to much higher percentages
in the north should also be vaccinated. Beyond that, it will be a question of giving oneself the means to prevent other health disasters by increasing vaccine production capacity and improving detection systems. We were unfortunately the only country from the African continent who would have preferred that the African Union should have been invited, but be that as it may, we were here. The G7 would like to be able to mobilize $100 billion to help underprivileged countries, especially in Africa, to bounce back from the pandemic by redirecting part of the new issue by the International Monetary Fund of $650 billion in drawing rights specials. Shogel Kukala pointed to his post by Colonel Simi Goida, Mali's strongman.